Bonjour et bienvenue pour ce 17ème épisode de Pokémon Rouge Feu en full random Nuzlocke. La dernière fois, nous avions perdu un Pokémon. Si vous avez vu l'épisode, vous savez de qui je parle. Il s'agit tout simplement de Boblol, notre Kikli. Mais nous avons pu capturer un Pokémon qui va le remplacer en attendant. Il s'agit de Pixel, un Vigoroth. Alors, je vous le remontre très rapidement. Acier normal, donc on va se prendre x4 sur le combat. Va falloir être très prudent là-dessus. Ensuite, niveau stats, franchement, il est pas trop mal. Niveau attaque, c'est pas terrible, mais il se démerde en attaque SP, la vitesse est correcte, la défense spéciale, ça passe. Regardez, comparé aux autres, il a plus de vitesse, plus de défense spéciale, plus d'attaque SP. Franchement, il est quasiment aussi bon que les autres. Et niveau attaque, alors, il avait éruption, un truc hyper cheaté. Il avait giclé d'eau, un truc hyper cheaté. Il a appris tornade, qui est un peu moins bien, il fait pas beaucoup de dégâts avec ça, mais bon, je me suis dit, c'est toujours mieux que... C'était quoi, rugissement? Et triple pied, donc c'est pas très efficace non plus, mais quand je tombe sur un Pokémon roche ou acier, j'ai vu ça pendant l'entraînement, ça lui faisait plutôt mal. Donc, franchement, c'est correct. Pour le programme de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Beaucoup de trucs. Tout d'abord, nous allons essayer d'avoir deux Pokémon. Je m'explique. Le premier, ça va être celui qui a l'emplacement de... Mais vas-y, t'as qu'à l'envoyer comme ça, au calme. Attends, j'ai pas envie de mourir. Je reprends après, 2 minutes. Attends. On va essayer de pas crever. Parce que je vais pas perdre un Pokémon par épisode. D'accord, bon, c'est pas efficace, mais il est mort quand même, hein. Est-ce qu'on en parle? Tant mieux, écoutez, tant mieux. Voilà, donc Pixel niveau 30. Et maintenant, on va switcher. Tout simplement parce que... Mais il est sérieux, là? Tu vas me faire le trio? Mais what? Il est sérieux, là? Il me laissera jamais finir ce que je voulais dire. Eh, mais je te jure, obligé, c'est Elector à la fin. Mais Jonathan, mais tu es sérieux, là? Ouais, donc, je disais. Je vais peut-être y arriver un jour. Nous allons... Honnêtement, mon cœur s'est arrêté de battre en l'espace de 2 secondes. Ça fait... Et je me suis dit, attends, c'est un coup critique. Et j'ai réfléchi, Osmurang, ça fait quoi comme dégâts? Mais putain! Eh, franchement, cet épisode commence très mal. Autant vous le dire, ça commence très mal. Normalement, Abelie Vakenfly devrait résister. Sinon, je comprends plus, quoi. Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Ce n'est pas possible! Non, c'est pas possible! Je suis pas d'accord, c'est pas possible! Ce n'est pas possible! Eh, tu me refais un coup critique? Voilà, merci! Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai eu peur? Est-ce que je vous l'ai dit ça? Que je vous l'ai dit qu'on est dans la merde pour cet épisode. Donc, je vais faire une pause. Non, je vais pas faire une pause. Ça risque d'être trop long. Donc, ce que je voulais dire. Attendez, on va d'abord regarder le dernier Pokémon, hein. Voilà. On va regarder. Voilà. Là, ça devrait être plutôt calme. Je vais quand même le soigner. Parce que, franchement, il y a 2 Pokémon qui ont failli mourir, dont mon Suicune. Je suis pas très rassuré, honnêtement. Alors. Est-ce que je vais réussir à dire ce que j'avais envie de dire? Nous allons rencontrer 2 Pokémon. Il va me paralyser. Voilà, merci. Ils veulent pas que je vous le dise. Bah écoutez, je vous le dis pas. Voilà. Non, plus sérieusement. On va capturer 2 Pokémon. Le Pokémon qui remplace Evoli à Celadopol. Et, si possible, l'évolution de Marshmallow. C'est pour ça que je l'ai envoyé au combat tout à l'heure. Parce qu'il évolue niveau 32, donc 2 niveaux. Et je pense qu'avec tous les dresseurs sur la route, il y a moyen de le faire évoluer. Et troisième truc qu'on va faire, c'est chercher la 16... vol, s'il n'y a pas Ronflex devant normalement. Donc allez chercher la CS vol et voir si Suicune peut voler. C'est le suspense depuis le premier épisode, est-ce que Suicune peut voler? Voilà. Franchement, cet épisode commence un tout petit peu fort à mon goût là. Voilà, donc le but ça va être de faire... Est-ce que je l'ai mis en tête? Ouais, je l'ai fait il y a 2 secondes mais j'ai déjà oublié. Le but ça va être de faire évoluer Marshmallow pour voir quel Pokémon on peut avoir. Attends, un duo.
On va mettre Warrior, du coup. Faut qu'il monte niveau 30, je voulais pas le faire monter niveau 30 parce qu'on s'en fout un peu et je voulais vraiment que ce soit Marshmallow, mais... Pourquoi pas? Mais attends, mais j'en reviens pas, le mec il a quand même sorti Articodin et Sulfura. Est-ce qu'on en parle? J'ai envie de dire oui. Tu vois, là c'est plus cool. Ponyta et Goélise, là c'est bien, là je suis d'accord. Mais le mec, bonjour, j'ai deux oiseaux légendaires. Remarque, moi je me travaille avec un Suicune et un Kyogre, hein, donc bon. D'accord. Je peux comprendre, je peux comprendre. Ah, Tranchef, ça fait... Bah écoutez, on va faire Tranchef sur les deux. Et toi, bah... Et Boulement sur les deux. Bah, hey. On a des attaques qui servent. Ouais, enfin... Vitef, quand même. Ah, il fait tunnel, donc il va forcément le faire sur Marshmallow. Marshmallow qui va s'en foutre, hein, je pense, honnêtement. Il devrait s'en foutre, hein. Je pense qu'il va s'en foutre. Ouais, bon, par contre... Non, ça va être trop relou, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer, quand même. Du genre, petit mégaphone... Et toi, tu vas faire... Dans ce vol, ça me rend confus moi aussi, hein, donc c'est pas très, très cool. Voilà. Mince, je suis plus rapide. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Eh, mais j'ai peur maintenant. Depuis l'épisode précédent et ce qui vient de se passer, j'ai peur. Eh, c'est Mégaphone qui a fait ça. Oh putain, là, on se fait chier, par contre. Non, là, non. Là, je suis désolée, mais on se fait chier. Donc, arrête. Mégaphone. Et... Gros fatal. Ouais, ça va être bien comme ça. Je le mets mid-life, quasiment. Je le mets mid-life, en fait. C'est pas une question, c'est je le mets mid-life. Et... Oh là là, mais c'est pas vrai, vous faites mal. Oh, vas-y, je l'avais presque. C'est pas grave. Eh, hey, t'es chiant, là. Attends, j'accélère, j'en ai trop marre. On va refaire la même technique. Normalement, on devrait le buter, cette fois. Je vais jamais le buter, hein. Cette fois, c'est la bonne. Mégaphone. Éboulement. Voilà. Et je disais des petits Pokémon... C'est des petits Pokémon chiants quand même. Hein. Du coup, je retourne me soigner, encore une fois. Ok, donc là, on a masse de dresseurs. Donc j'espère pouvoir faire monter Marshmallow de niveau assez conséquent quand même. Ce serait pas mal. J'espère le faire évoluer dans ce... Dans... Merde. Dans cet épisode. Si j'ai des gros Pokémon comme ça, ça devrait le faire. Hein. Eh, 26. 26. Il veut... Ça va, il est con. Remarque, ça va l'aider pour le prochain tour. Mais s'il connaît que veut... Bah d'une part on va se faire chier, mais d'autre part il me fera pas mal. Donc, faut relativiser. Par contre il est plus rapide que moi. Pour sûr. Et franchement vivement qu'il évolue là, c'est pas possible. C'est juste pas possible honnêtement, c'est pas possible. Ils me font mal, ils me font tellement mal. C'est... Mais attends, mais il faut que je check un truc, c'est pas possible qu'ils me fassent aussi mal. Enfin, franchement, mon niveau, il est quand même pas mal. Je suis assez élevé. C'est... Ouais, c'est peut-être la, ouais, la défense, elle est pas... Ouais, c'est la défense, en fait. Il est, en fait, je m'en rendais pas compte, mais il est un peu comme Kyogre. Hein. Niveau défense. Va falloir faire attention. Va falloir faire très très attention, là, par contre. Hermure. Ah, j'en ai rencontré pendant que je m'entraînais d'Hermure. Je me souviens plus ce qu'il a. Je crois qu'il a rayon lune aussi, mais... Ah oui, il avait ultra laser, en effet. Je vais partir. Ouais, non, je prends pas le risque. Hein. Je suis désolée, je ne prends pas le risque. J'ai trop peur. J'ai vraiment trop peur. On a vu depuis le début, là, ce qui arrivait à ma team. On l'a vu. Donc, je prendrai pas le risque. Non, j'ai... Voilà, j'ai confondu. C'est glace de soin qu'il avait. C'était pas rayon lune. Ouais, mais du coup, on va se faire chier avec... Avec Warrior. Ah non, en fait, ça va. Oui, j'arrête. J'arrête de critiquer Warrior tout le temps. Voilà. Mais si je peux remplacer, ça me ferait plaisir quand même. Hop. Allez, au revoir. Marshmallow, Warrior. Rhinophéros. J'ai peur de mettre Marshmallow devant, mais... C'est peut-être un Rhinophéros de rien du tout. Peut-être pas. Je sais pas trop.
franchement, Marshmallow, si tu pouvais le mettre KO très vite, je t'en serais reconnaissante à tout jamais. Oh putain, heureusement qu'il a pas toute sa vie, mais attends. Non. C'est bon. Heureusement qu'il avait pas toute sa vie. Qu'il a pas fait de coup critique et que je résiste au feu. Tout ça, heureusement. Reflet magique, c'est quoi? C'est pas pour les attaques de statue, genre... Je sais pas. En fait, j'en sais rien. Hop, salut. Et plus qu'un niveau. Ah, coup de main. Oh, ben non. Je revérifie ce que c'est. Ouais, non, c'est nul. Bon. Déception. C'est la déception. Je vais me soigner. Donc voilà, je suis désolée, je vais vraiment me la jouer vraiment relax. Hein. Quand je vois comment ça a commencé, j'arrête pas de le répéter, mais... Je vais vraiment la jouer relax. Dès qu'il me manque 10 PV, j'en ai rien à foutre, je retourne au centre. Je refuse de laisser mes Pokémon à 10 PV, en moins. C'est juste pas possible. Parce que t'es pas... Enfin, à 10 PV près, tu peux vraiment te faire défoncer, quoi. Pour peu que tu sois faible ou qu'il y ait un coup critique, 10 PV, ça peut te sauver. Donc, je me soigne. Voilà. Faites des attaques comme ça aussi, éventuellement. Moi, ça me va. Ah, t'as Turbo, toi aussi. Il y a beaucoup de Pokémon qui ont Turbo, en fait. Ça va. J'ai trop peur dès que je prends un coup. J'ai trop peur. Ouais, on monte, lentement. Lentement, mais sûrement. Là, on s'approche. Hein. J'aimerais vraiment le faire évoluer dans ce niveau. Dans cet épisode. Oh, joli. C'est pas très efficace, il l'a quand même senti passer, le Pichu. Mais ça rapporte pas d'XP, ça, par contre. Ah, Mantali, par contre, oui. Lui, par contre, ça va rapporter une masse d'XP. Normalement. Tiens, on n'a pas encore rencontré le moindre spectre. Je m'en fous. Ouais, je m'en fous totalement, même. Franchement, si c'était pas obligé de perdre un PV, je crois que j'aurais rien perdu du tout. Ok. Mais limite, le dégât après fait plus mal que l'attaque en elle-même. Ouais, donc je disais, on n'a pas rencontré de spectre. Normalement, on a au moins un petit spectre qui traîne, mais là, que dalle. Les mégaphones, ils sont tous passés... Non. Non ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Putain, sa mère. C'est quoi ça ? Ça fait quoi ça ? Merde, attends. S'il me refait un ultime à point, je me souviens plus comment il m'a fait perdre, mais je prendrai pas le risque de me reprendre un ultime à point. Je me soigne. Ça plus le siphon, ça va me tuer. Attends, non, pas si près du 32. Voilà, tu vois, en ultime à point. Est-ce que j'ai bien fait? J'attaque avant. Je prends le risque. Parce que s'il me fait un coup critique sur Ultima Point, je meurs en un coup. C'était son dernier Pokémon. Hein. Ça va pas, je vais pas bien. Honnêtement, je suis pas bien dans ma tête là. Allez, dernier dresseur. Oh là 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 là. Mais j'ai failli mourir quoi. Le siphon plus l'ultime à point, mais... Oh, ça va, niveau 19. Ça, franchement, ça devrait aller. J'ai beaucoup plus de niveau que lui. Franchement, ça devrait passer, j'espère. Et franchement, ma manette, elle est moite. Je transpire à mort. Hein. Je suis vraiment en stress, je vous jure. Je suis vraiment en stress. Ma défense spéciale baisse, je me casse. Quand je vois le dégât que ça vient de me faire, je me casse. Il vient de me faire balle ombre. Hein. Donc je vais prendre un type normal. Pixel, à toi de jouer. Oh mais t'es pas drôle là. Éruption. Normalement je le one shot, hein. y a pas moyen. Éruption, full life. Le mec il part, hein. Il vole. Ouais, mais c'était sûr, même c'est pas efficace mais il vole quand même, on s'en fout quoi. Yes! Évolution, on approche. Du coup... Da Warrior, il est toujours niveau 29, faut qu'il monte un peu.
Alors, Nosferatu. Oh là, mais c'est bon. Voilà. Est-ce que éboulement, ça marcherait? Pas du tout. Oh là, c'est chiant. Attends, est-ce que j'ai pas une Pokémon femelle dans le coin? Mais genre, j'ai que des mâles, mais c'est ouf ça! Ok, Pixel, à toi. J'ai confiance. L'anticipation imprévue. Éruption plus le soleil, ça devrait lui faire très mal, hein. Oh, c'est vrai qu'elle est longue, cette attaque. Oh là là, et je crois que je vais laisser Pixel, en fait. Et à la Kazama. Franchement, tue-le vite. Yes. Très beau boulot. Mais t'es sérieux, mec? T'as deux à la Kazam? Marque mieux vaut ça que deux Pokémon qui avaient siphon ultime à point. Je préfère ça. Hop, hop, on accélère un petit peu. J'aimerais bien qu'on... Ouais, j'aimerais bien qu'on traîne pas trop. Qu'on ait le temps de faire tout ce que j'avais prévu dans l'épisode. Ça pourrait être cool. Et on va finir encore avec Éruption. Hein. C'est mon dernier PP, mais au moins je passe niveau 31 normalement. Et après on est bien. Oh, c'est long. Voilà. Oh, mais pas du tout en fait. Je m'en fous. Oh, je m'en fous total, ouais. Alors. Est-ce que triple pied? Ouais, vous voyez, ça fait rien du tout. Quand c'est pas efficace, ça fait rien du tout. C'est l'attaque de la nullité. Pas efficace. C'est une attaque... J'étais en train de réfléchir si c'était normal ou combat. En fait, tout va bien. Gicle d'eau, mais ça va rien faire. Ah si, quand même. En plus, c'est super efficace. Bon. Yes! 31. Et bientôt, toi aussi, tu vas évoluer. Les chouilles. Tu veux pas apprendre des trucs mieux? Non, mais je vais pas prendre les chouilles. Triple pied, ça peut servir. J'ai vu que ça pouvait servir. Remarque, je pourrais toucher les spectres. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait pour ce Pokémon. Est-ce que vous auriez abandonné les chouilles ou est-ce que vous auriez enlevé une attaque comme je vais le faire? Non, en vrai, Tornade, non. J'enlève Tornade. Oui, ça peut paraître débile, mais triple pied a fait plus mal que Tornade une fois. Voilà. Donc dites-moi ce que vous auriez fait, vous. Mais je me dis, ça serait cool que Pixel il puisse battre les spectres. On a trop peu de Pokémon qui battent les spectres. Évolution! Merde, c'est 33! Eh, je crois que c'est 33. Oh, mais la déception... J'ai pas un super bonbon ou un truc? Attends. Oh, c'est 33 en vrai. Merde! Oh, la déception! Je suis trop déçue! Et Marshmallow, là, je suis déçu. Vas-y. Bah tant pis, écoutez. Il va jamais monter 40 000 niveaux, là, on est d'accord. Quoique, 3 bons Pokémon. Bon, on va essayer de le faire évoluer. Je vais me soigner et on essaie de le faire évoluer. Voilà, un motard. Eh, bonjour! Viens te battre. Pousse-toi de là où je te roule dessus. Mais va te faire foutre. Il a cru quoi, lui? Je vais t'exploser, c'est tout. Alors, ok, ok. Ok. Si tu veux. Spectre? Et non, mais il n'y a toujours pas eu de spectre. C'est ouf. Ne m'empoisonne pas, ça va être très très chiant. Merci. Allez, moi j'y crois. À l'évolution. Remarque, oh putain, c'est pas à coup de 220 expériences. Oh, c'est pas avec des tournograins non plus. Bon. Je pense qu'on n'aura pas... Je pense qu'on pourra pas le faire évoluer, en fait. À moins de trouver un super bonbon qui sort de nulle part, mais là... Oh putain, heureusement que c'est pas Pixel qui était là. Moi, Pixel, il aurait one shot, il s'en fout lui. Il en a rien à foutre. One shot à terre entière s'il a envie. Hop. Oh là là, mais c'est chiant. 200 expériences, c'est très très chiant. Allez, je prends le risque. Au pire, je switch si je suis pas très très confiante. Donc ça devrait passer. 9. Ouais, normalement ça devrait passer. Eh, mais je savais pas qu'ils étaient aussi gros que ça en fait, les 9. C'est ouf. Oh, c'est pas efficace, mais t'as mal quand même. Jackpot. Ça va, il ne fait rien. On va rester sur du mégaphone. Hein. Là, ça va être très chiant par contre.
Oh, ça va. Si ma précision elle baisse, ça va être très très chiant. Lamantine. Non, je vais changer. Quand je vois des gros Pokémon comme ça, j'aime pas. Merci la moto de passer. Hop. Lamantine contre Warrior. Ah, Warrior va monter niveau 30 d'ailleurs. Accélère un peu par contre. Là, va falloir le finir très vite, hein, Warrior. Essaye de le finir très très vite. Oh putain, 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 attends. Attends, attends. Là par contre, j'aime pas trop ce qui se passe. Merci Warrior. Merci. Les roulades qui s'accumulaient, je sais pas qui aurait pu résister honnêtement. Parce que même Pixel, enfin Pixel, même s'il est acier, je pense pas qu'il aurait kiffé quoi. Je doute qu'il aurait kiffé ça. Allez. On va remettre un Pokémon de confiance. Putain, je dis ça, il a failli mourir au début. Mais c'était trop cheaté aussi. Psycho Boost, coup critique, qu'est-ce que tu veux quoi. N'importe qui d'autre dans ma team serait mort avec cette attaque. N'importe qui d'autre, vraiment. Et c'est là que je me dis que Suicune est quand même cheaté. Il s'est pris que midlife, entre guillemets. Oui, les rayons sont forts, turbo, blablabla. Ça me démange la peau, je sais pas ce que j'ai, je crois que je me suis fait piquer. Vous avez dû me voir faire ça 40 000 fois dans la vidéo, mais ça me pique, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me pique. C'était ma vie, voilà, c'est très intéressant, tout le monde s'en tape. Racontez-moi votre vie aussi dans les commentaires, ça m'intéresse. Tout et n'importe quoi. Ce que vous faites pendant que vous êtes en train de regarder les vidéos, par exemple, n'importe quoi. Alors, Marshmallow, est-ce qu'on en parle? Non, franchement, rentre chez toi, quoi. Voilà. C'est pas grave, bah tant pis, on le verra dans le prochain épisode, son évolution. Remarque, il y a moyen peut-être. Il reste deux dresseurs, on va tenter. On va tenter l'évolution de Marshmallow. Hop, on va speeder un tout petit peu. Rapace de pique, ça devrait aider. Merde, j'ai mis Suicune en tête, mais quel débile. J'aime pas ça. Et en fait, peut-être que j'ai bien fait de pas mettre Marshmallow. Tu sais. Parce que... Est-ce qu'il aurait résisté à un électacle? Tu vois. Je sais pas. Franchement, je suis pas 100% sûr de ça, quoi. Je suis pas sûr. Bon. Ne me déçois pas, Marshmallow. Fais-toi ce Meganium. Pense à ton évolution. Putain, je croyais que j'étais vol. Non, ça va, en fait. Je suis haut. Tout va bien. Par pitié, Marshmallow, ne deviens pas vol en évoluant. Ou ne deviens pas haut. Deviens un truc qu'on n'a pas. Genre un spectre. Parce que le problème, c'est qu'on a... Genre, ouais, on en parlait avec Bob Lull, justement. On a quoi? 4 faiblesses. 4 faiblesses communes. Je crois que c'est 4... Est-ce que c'est 4... 4 électriques, 4 glaces, 4 électriques. Ouais, ça fait mal quand même. Et franchement, il y a trop moyen qu'il monte au niveau 33. Il y a trop moyen. Tiens le coup, Marshmallow. On y est presque. Ah, premier spectre de l'épisode. Du coup, on va changer. Eh, on va tester Pixel. D'accord, en fait, on va rester sur Marshmallow. Ouais, en fait, ça ne m'arrange pas trop, ça. Ah, ça fait mal, en fait. Oh. Eh, non. Il m'a fait mal, hein. Il m'a fait mal. Je me soigne, hein. Sa vitesse a baissé, mais je sais pas si je serai plus rapide quand même, et le coup critique, là, tu vois, ça me tue. Non, 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 négatif, je ne ferai pas ça. Je me soigne. Combien il me fait perdre? Attends, faut que je calcule combien il me fait perdre. Ça va. S'il fait pas de coup critique... L'enfoiré, va. Oh, ça aurait été horrible s'il m'avait endormi. J'ai de la chance, en vrai. Hein. J'ai beaucoup de chance en... Dans cet épisode, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Eh, franchement. On y est, là. Hein. Eh, l'évolution, on y est, là. Tu la sens, l'évolution. Je crois que c'est 33. Hein.
J'espère. Je suis pas allé vérifier dans l'épisode. On joue d'abord et ensuite on voit. Oh putain. Oh putain, non. Ah, mais ça va, j'ai Suicune. Donc. Il est du même type que le mien normalement. Ouais, donc il doit pas avoir trop de défense. On va... Attends, on va voir. Oh putain, non. Non. Oh, mais ça va. Oh, mais j'ai trop peur pour rien. J'ai trop peur pour rien maintenant. Soit c'est ce Kyok qui est pas terrible, soit c'est mon Suicune qui est beaucoup trop fort. Je sais pas trop. Eh, mais attends, faut que je mette Marshmallow. Volvi. Franchement, coupe-vent, je le fais jamais. J'enlève coupe-vent, je le fais jamais cette attaque. C'est peut-être débile, hein, mais je vais jamais l'utiliser, donc autant prendre un truc que je peux potentiellement faire, quoi. Donc, Marshmallow. Et après, je vais switcher sur... peut-être Swaggy un peu, on l'a pas du tout vu dans cet épisode. Oh, je vais faire ça. Switch sur Swaggy, let's go. Montre-nous ce que tu vaux. Oh, c'est vrai que t'as lance-flamme, j'ai totalement oublié. C'est le cheat absolu, ça. Pas trop, pas tout à fait. 3 patates, donc tu vas me faire perdre 22 PV. Donc je peux te caser un double pied. Yes, tu le tues. Ça, c'est bien. J'avais un peu peur, mais ça va. Me voilà rassuré. Yes! Allez là, j'ai envie de voir mon Pokémon évoluer. Et mais en fait, tout le monde a un peu pris cher dans sa gueule. Allez, on va jouer la carte de la sûreté. Un truc qui fait mal, direct. Ça devrait passer. Donc, coup de boule. C'est un spectre. Ténèbres, donc ça me fait 22 PV, c'est ça? Ouais. Donc, point de glace. C'est le gel! C'est le gel. C'est le gel. C'est ce que je te dis, c'est le gel. Ça me rappelle bizarrement un combat que j'ai eu récemment en versus abonné. Je suis la pro du gel, moi, en vrai. Je gèle la terre entière. Personne ne peut rien y faire. Évolution, peut-être. Attends. Ça y est, il évolue. Faites vos pronostics sur les types. J'espère que j'ai pas regretté qu'il évolue. Pourquoi c'est la musique du safari? Je me suis toujours demandé ça. Oh, Camerupt. Oh, il est génial ce Pokémon, putain. Camerupt! Allez. Et j'ai hâte de voir ce qu'il a comme... Oh, trop bien! Trop bien, cruel. J'enlève trancher, je m'en fous. Allez, on va regarder. Alors. Oh, déjà, t'as masse de PV. Putain. Il est combat. Ça, c'est bien, putain. Ça, c'est impeccable. Parce qu'en plus, c'est complémentaire avec Swaggy. Parce que Swaggy est faible... Non, lui, il est faible au psy. Et Swaggy peut carrément contrer ça. Oh, c'est impeccable. Au niveau des stats... Oh, putain, la défense spéciale. Mon Dieu. Vaccin, c'est bien, mais la défense spéciale, c'est vraiment nul. Et 26, c'est encore pire que... Non, c'est pas pire que Boblol, mais... J'irais comparer avec Boblol ce qu'il avait en défense. Franchement, c'est pas terrible. J'ai un peu peur. J'ai un tout petit peu peur de ce que pourrait prendre ce Camerupt. Bon, on spin un peu. On va aller chercher notre Pokémon. Et... Il n'y a pas de dresseur ici, normalement. C'est la même zone, hein. Attends. On se met d'accord, c'est la même zone. Eh, c'est une nouvelle zone, hein. Pixel, c'était route 8, hein. Ouais, c'est une nouvelle zone. Eh bien, on va aller capturer un Pokémon, du coup. Et Evoli et la 16 vol... non, je pense qu'on le fera dans le prochain épisode, ça va être trop long après. Faut laisser un peu de suspense. Alors, qui c'est que je vais mettre Warrior en tête. Hop. Toc, toc. Et voilà.
Allez. Et c'est un... Oh, Vibranymph. Eh... Hey. Libégone est vraiment pas mal. Est-ce qu'il serait pas spectre? Si. Je me dis bien que je l'avais déjà vu. Alors, comment on va faire? J'ai ma petite idée. Je pense que celui qui ferait le moins mal, ça serait Pixel. Avec son léchouille et sa faible attaque. Peut-être que je me trompe. Mais... Je sais pas, on va voir. Hop, allez, pêche-toi un peu. On essaye, au pire je le tue, mais... Ça va. Et si je... Franchement, si je peux le paralyser... Ce sera encore mieux. Je vais essayer comme ça. J'ai peur du coup critique après. Eh, 17 Pokéball, ça devrait le faire, non? Il va pas être aussi relou que... C'était qui est Crocodile. Yes! En plus, c'est une femelle. Eh, en plus, c'est une femelle. Comment je vais l'appeler? Je sais comment on va l'appeler. Alors. Ça va probablement être la première femelle que j'ai dans l'équipe, je crois. Enfin, même dans tout ce que j'ai capturé. Non, peut-être pas. Donc, c'est un dragon qui va dominer le monde. Donc, on va l'appeler Dominatrix. Voilà. Dominatrix. Voilà. Ça me semble être très bien. Comme nom. Et on va aller voir directement ce qu'elle vaut. Oh putain, si ça se trouve, je vais pouvoir la prendre. Dans mon équipe, quoi. Attends. Et j'espère. Franchement, j'ai espoir qu'elle ait des bonnes stats. Qu'elle soit pas mal. Alors. Non, pas ça. Non, pas ça non plus. On va y arriver. Voilà. Oh, elle a une baie. Alors, qu'est-ce que tu vaux? Combat spectre, hein. Combat spectre. C'est hyper bien. Par contre, c'est x4 sur le psy, hein. Ok. Airlock. On a déjà. 27, 27, 25, 40, 24. Après, il faut prendre en compte qu'elle est niveau 19. Boulrock, éboulement, grincement, feinte. Eh, franchement, elle m'intéresse bien, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'entraîner, moi-même, dans mon coin. Et je verrai, au même niveau que les autres, par rapport à Warrior, ce qu'elle a de plus, ce qu'elle a de moins. Parce que j'arrive pas à évaluer si elle vaut le coup ou pas pour le moment. Donc, non, ou alors ce que je ferais, c'est que... Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'autre Pokémon directement. Comme ça, je vais pouvoir voir s'il y a un des Pokémon que je pourrais potentiellement attraper. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va être? Evoli. Mais oui, on y croit tous. Rwagada. C'est encore une femelle, hein. Comment je pourrais l'appeler? Oh, je sais. C'est très très nul. Mais je vais l'appeler... Lady... Oh putain, j'ai vraiment honte. Lady Gada. Voilà. Lady Gada. C'est très nul. Et en fait, non, c'est pas si nul que ça, je suis fière en vrai. Bon, on va voir ce qu'elle vaut. Ok, alors. Qu'est-ce que Lady Gada vaut? Que vaut-tu, petit Pokémon? Ténèbres plantes. Donc déjà, c'est pas commun. Ok. Oh, turbo. La défense spéciale est vraiment à chier. Le reste est pas trop mal. Échange bélier, assistance, croissance. Franchement, un jour peut-être je la prendrai en remplacement. Tu vois, genre je vais la mettre là. Elle aussi. Ouais, j'ai Mikiok parce que je suis allé chercher la CS vol pour qu'on regarde ensemble si Abelly Vakenfly peut voler. Donc, ouais, franchement, je pense que je vais prendre Dominatrix. Je pense. On va voir. Alors. On va se mettre au centre. Le suspense est insoutenable. Est-ce que Suicune peut voler ou pas? Alors, Warrior type vol peut voler. Lazuli type vol peut voler. Pixel type acier normal peut voler. Camerupt type je ne sais plus quoi mais pas vol peut voler. Mais
A Believe I Can Fly type vol ne peut pas voler. Bon. Je suis trop déçu en vrai. C'est pas grave. Alors les amis, épisode un petit peu long, mais on avait beaucoup de trucs à faire et je suis contente car on a réussi à tout faire finalement. Et ça c'est bien. Quand je me fixe des objectifs et que je les fais, ça c'est bien. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentant comme d'habitude. Vous pouvez aussi lâcher un petit like si ça vous a plu et partager la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Portez-vous bien. Sur ce, see ya.